Bonjour toutes et à tous, c'est le Grégoire du Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ numéro 2. Attendez, il y a un truc qui s'est ouvert sur mon ordi. Pour la FAQ numéro 2, donc je suis content, j'ai eu un petit peu plus de questions qu'à la première FAQ. À la première FAQ, j'en avais eu vers 10-15 par là, 15 plutôt, et à cette FAQ, j'en ai eu une vingtaine. Donc, merci à vous. Je précise que toutes les questions m'ont été posées en message privé. J'avais dit soit en commentaire ou soit en message privé. Et bien, elles m'ont presque toutes été posées en message privé parce qu'il y en a quelques-unes qui m'ont été posées en commentaire. Bon, ça, c'est en général les abonnés actifs qui sont depuis à peu près le début, enfin, qui sont depuis longtemps sur ma chaîne et qui me suivent depuis le début. Voilà. Alors, on va commencer. Une question que je trouve très intéressante par Xtrax. Que penses-tu de Squeezie? Alors Squeezie, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ben, c'est un joueur gaming. Voilà d'ailleurs son prénom c'est Lucas comme moi. Bon, voilà, je pense que dans ses vidéos, il y a un peu trop de cris. Après, j'ai rien contre ses vidéos, mais s'il y avait un défaut que je lui reprocherais, ça serait ça. De trop crier parce que au bout d'un moment c'est chiant, il y a trop de ah what the fuck et tout, il y a trop de cris, trop de bruitage et tout. Voilà, moi c'est mon avis personnel, après c'est comme vous voulez. Quel est ton chanteur préféré? Alors mon chanteur préféré, je dirais La Fouine, parce que c'est un chanteur que j'aime bien, donc c'est ce sera mon chanteur préféré, oui, parce que j'aime bien ces chansons. Bon, il y a quelques chansons qui sont rap, vraiment rap, donc un peu agressif comme Fête des Mères par exemple. Mais les chansons agressives, j'aime pas trop. Mais presque toutes ces chansons, j'aime bien parce que j'aime bien. C'est du rap, il y en a pour tous les goûts en fait. Et j'aime bien aussi. Ouais, non, c'est dans la prochaine question, ça. J'allais parler de. Bon, allez, à tout de suite. Quel est ton groupe préféré? Alors, mon groupe préféré, c'est Team BS. Donc, par La Fouine. Oui, j'adore vraiment La Fouine. Enfin, j'adore. Oui, c'est mon artiste préféré. Donc, dans Team BS. Il y a Cindy, Sultan, Fadabi et La Fouine. Donc c'est un groupe que j'aime bien. Ils font des chansons dans tous les styles. Donc ça sera mon groupe préféré en ce moment. C'est le seul style de musique que j'écoute. Voilà. Aimes-tu le rap? Alors ben oui, j'aime le rap puisque La Fouine est un rappeur et Team BS c'est avant tout du rap. Pardon, parce qu'il y a trois rappeurs. Sur quatre artistes, après il y a une chanteuse, c'est une chanteuse, c'est pas une rappeuse quoi. Donc voilà, oui, j'aime le rap, pas le rap trop agressif, mais le rap quoi. Voilà, je sais pas comment dire. Voilà. As-tu un crew? Donc sur GTA 5 Online, j'adore cette question. Enfin, cette question est très très pertinente parce que j'ai pas parlé de mon crew, donc c'est pas mon crew à moi, c'est un crew qui s'appelle Painkillers, Payne, Killers, ça s'écrit Kaizlers, et je me suis aperçu, donc on m'a invité dans ce crew, moi à la base les crews, bon c'est secondaire quoi, et on m'a invité dans ce crew, et là je suis allé voir, il y a pas moins d'une semaine, je suis allé voir les informations de crew. Donc je suis dedans, ça fait maintenant 2-3 mois. Et je vois combien de membres, 878 000 membres dans le crew, dans mon crew. Alors là déjà j'ai fait waouh, on est énormément. Et là je regarde le classement mondial de GTA Online. Il est deuxième, mon crew. Enfin, le crew dans lequel je suis, Painkillers, c'est le deuxième dans tout GTA Online dans le monde.
Donc là, c'est quand même c'est un truc de fou. Moi, que je me suis fait inviter dans un crew par hasard, moi j'y suis allé par hasard, je vois que c'est le deuxième de classement mondial, c'est le deuxième de GTA Online. Wow, avec 800, maintenant il doit y avoir 890 000 membres. Quand je vois par exemple Monsieur Coty qui galère, qui a même pas 10 000 membres sur son crew, et que moi je suis dans un crew, il y a 800, bientôt 900 000 membres. C'est quand même un truc de fou. Voilà. Donc, merci pour cette question à celui qui l'a posée. Je me souviens plus de son pseudo, mais ça va être marqué de toute façon. Donc voilà, merci à lui. Quel est ton club préféré, foot et rugby? Alors, mon club préféré de foot, c'est le Barça. Vous l'aurez deviné. Et mon club préféré de rugby, donc, c'est le Castres Olympique. D'ailleurs, dédicace à Dorian, s'il regarde cette vidéo. Dorian Martin. C'est le Barça, c'est parce que j'adore le Barça depuis que je suis tout petit. J'ai fait une fixation sur le Barça, donc j'adore ce club, c'est mon club préféré footballistiquement. On va dire ça comme ça. Et le Castres Olympique, parce que mon père est journaliste, commentateur de rugby. Donc, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et il commente le Castres Olympique, ça fait maintenant 3 ans qu'il le commente. Et puis, donc, je vais voir quasiment. Maintenant, ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allé, mais je vais voir quasiment tous les matchs de Castres, à part ceux à l'extérieur, parce que c'est loin. Et puis voilà, donc Castres, s'il y en a qui connaissent pas, ça se situe dans le Tarn. Et c'est à côté d'Albi, voilà. Enfin, ça doit être à 30 km d'Albi. Et voilà. Alors, prochaine question. Quick. Attendez. Oui, Quick ou McDo? Alors, moi, je dirais à fond McDo. Parce que le Quick, j'ai mangé une, voire maximum 2 fois au Quick. Et j'ai été déçu. Oh là là, mais donc le McDo c'est tellement bien. Je vois pas pourquoi aller à Quick alors que le McDo c'est tellement bien. Enfin voilà. Après, j'y vais pas tous les jours, j'y vais rarement. Mais voilà, c'est tellement bien le McDo que Quick c'est nul quoi. Voilà, donc si vous aimez Quick, vous pouvez le mettre en commentaire comme vous voulez. Enfin, après, c'est comme vous voulez, mais moi ce sera McDo. Parce que, et dire qu'il y a quelqu'un qui est mort en mangeant un Quick, enfin un sandwich de chez Quick, on dirait de l'ironie, mais c'est vrai. Donc, c'est. Voilà. Tu préfères Need for Speed ou Gran Turismo? Need for Speed à fond, à 100%. Gran Turismo, c'est de la grosse merde. Pour moi, je trouve que c'est vraiment de la merde. Parce que c'est un simulateur de voitures mal faites. J'ai vu des vidéos de Gran Turismo 6. Bon, quand même, on s'attendait à un truc minimum graphisme PS3. Mais c'était graphisme limite PS2. Entre PS1 et PS2, tu vois, le décor en fond, c'est limite les arbres à cartonner, tu vois, comme dans FIFA, les supporters d'un FIFA 13. C'était n'importe quoi. Voilà, donc bon après le décor, vous me direz, on s'en fout, mais ça joue quand même un rôle dans le jeu. Si t'as pas un beau décor, t'as pas envie d'y jouer au jeu. Ça paraît logique. Enfin, moi, si y a un mauvais décor, j'ai pas envie de jouer au jeu. Je vais tout de suite poser la boîte et je vais jouer à GTA par exemple. GTA, le décor, y a rien à dire. Bon, après, c'est Rockstar, mais. Voilà, faudrait. Si tu te décides à créer un jeu, faut te bouger le cul sur le décor, sur les graphismes. Voilà, c'est le minimum. Fais-tu du sport? Non. Non, je rigole. Si, je fais du sport, bien sûr. Je fais du rugby en club dans mon village. Et voilà, donc je fais du rugby. Et pour ceux qui voudraient savoir, je joue ailier. Voilà. Peut-on dire que tu es un geek? Alors, qu'on se mette d'accord,
Je n'aime pas du tout ce terme, geek. J'aime pas ce mot parce que ça fait le mec qui arrête pas de jouer. Je trouve cette question très intéressante. Donc, si je dis pas les pseudos, c'est que je les ai pas sous les yeux, mais ils vont être marqués, comme j'ai dit. Cette question, je la trouve très intéressante. Non, on ne peut pas dire que je suis un geek. On peut dire que je suis un gamer. Parce que gamer et geek, c'est pas du tout pareil. Un geek, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter de jouer au jeu. Et un gamer, c'est quelqu'un qui joue par passion, en quelque sorte. Et qui sait s'arrêter, enfin, en quelque sorte, oui. Qui sait s'arrêter, qui joue pas toute la nuit, toute la journée. C'est avant tout une passion et pas une occupation. Voilà, c'est ça que je dirais, moi, pour parler des jeux vidéo. Cette question a été posée par Dorian. Alors, peux-tu refaire des vidéos, des mots comme Sleeping Dogs avec Alex ou moi? Entre parenthèses, Dorian. Sur Sleeping Dogs, non, puisque je l'ai déjà faite, mais sur l'autre chaîne, mais non, Sleeping Dogs, c'est dépassé. Sur des vidéos, peut-être pas des mots, sur des jeux complets, parce que maintenant j'ai évolué au niveau du contenu. Mais je sais pas, je verrai. Voilà. Je fais des vidéos délire avec Alex. Alors, c'est dur de faire des vidéos découvertes. Des vidéos découvertes ou des vidéos. Comment tu m'as dit? Des vidéos. Des mots. Voilà. Tu préfères Mac ou Windows? Alors, je préfère Windows. Enfin, Mac, j'ai pas eu l'occasion de tester parce que moi, tous mes ordis sont. Sans Windows, j'ai deux ordis chez moi, donc les deux sont Windows et donc je dirais Windows, voilà. Et tu préfères Apple ou Samsung? Je dirais Apple. Parce que Apple, au niveau des téléphones, ils assurent vraiment. Mon père a un iPhone, moi j'ai un Samsung, ma mère a un Samsung et ma soeur, ben, elle a rien. Parce qu'elle est trop petite, elle est à côté de moi, tu veux dire quelque chose? Bonjour. Tu fais pas ta mongole. Mais non, moi je dirais Apple. Parce que voilà, pour les téléphones, c'est l'idéal. Enfin, quel est ton abonné le plus fidèle? Alors, je vais pas faire de jaloux, enfin ne soyez pas jaloux, mais mon abonné le plus fidèle. Depuis, je dis bien, depuis le début de cette chaîne YouTube Lucas du Barça de Gaming, c'est Siméon. Siméon, le papillon. Non, je rigole. Non, mais Siméon, si tu regardes cette vidéo, donc tu vas sans doute la regarder puisque t'es l'abonné le plus fidèle. À chaque fois, je vais vous dire, je vais décrire un peu. Enfin, comment dire? Je vais expliquer un peu mon choix. Parce que Siméon, il commente quasiment toutes les vidéos, il like toutes les vidéos, il est abonné depuis le début à ma chaîne. Bah, après, faut pas vous en prendre à moi si vous n'êtes pas abonné depuis le début de la création de la chaîne. C'est pas de votre faute, c'est pas de la mienne. Parce que si vous découvrez la chaîne qu'à un moment, vous pouvez pas être là depuis le début, voilà. Ça, c'est de la faute à personne. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc voilà. Une fois, on parlait sur Facebook, et puis j'avais mis la vidéo il y a 5 minutes. Enfin, il y a longtemps, quoi. Je l'avais mise il y a 5 minutes. Enfin, comment dire? On se parlait avec Simon, et puis 5 minutes avant, voilà, j'avais mise la vidéo en ligne. Et Siméon, il me dit, ah mais t'as changé l'intro de la vidéo. Et j'étais surpris, mais je lui dis, mais déjà t'as regardé la vidéo? Et il me dit, mais oui, je l'ai regardée. Et là j'étais vraiment surpris. Donc ça m'a fait plaisir qu'il l'ait déjà regardée et qu'il me le dise, voilà. Attendez, petit problème, voilà, c'est bon. Quelle est ta voiture préférée dans GTA V? Ma voiture préférée dans GTA V, c'est la Entity. Non, pas la Entity. En fait, j'en ai pas, mais j'en ai deux qui seront mes préférées.
En fait, j'en ai pas, mais j'en ai deux. En fait, j'en ai pas une, j'en ai deux. Pas moins de deux. La Entity et la Gauntlet. En premier, la Gauntlet, parce que c'est celle que j'avais, parce que j'adore le bruit du moteur. En premier, la Gauntlet, après la Entity. Parce que vraiment, c'est les deux seules voitures que j'adore dans GTA V. Ou que je me sers le plus. Voilà. Un véhicule personnel. Et ta moto préférée? Donc, ma moto préférée, c'est la Bati. Bati. Parce que c'est une moto contrôlable. Je la trouve maniable, contrôlable. Bon, c'est la même chose. Elle a une bonne vitesse. Elle se soulève bien. Après, sinon, il y a la Nemesis. Pour faire des stunts et tout ça, moi je la prends pour aller faire le con. Après la Entity, la Entity, qu'est-ce que je raconte? La Bati, c'est plutôt pour aller faire des courses et tout ça. Après, sinon, pour aller faire le con dans la ville avec des copains quand ils peuvent jouer, ben je prends la Nemesis. Voilà. Customisée, parce que sinon, la Nemesis, elle est pas tellement bien, mais customisée, c'est un régal de la conduire. Voilà, je la conseille vraiment si vous voulez acheter une moto. Dans GTA Online, elle n'est pas très chère en plus, donc voilà, je vous la conseille vraiment. On arrive à la fin de cette FAQ, elle n'aura pas duré longtemps. En fait, je sais pas du tout combien de temps elle va durer, parce que j'ai pas fait le montage encore. Je suis en train de le faire là. Bref, petite parenthèse inattendue. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont posé les questions. Leurs pseudos apparaîtront au fur et à mesure des questions dans cette FAQ. Et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et à ciao, bonsoir, salut!